Bonjour et bonsoir à tous, je suis Alice et nous nous retrouvons pour une nouvelle session de Neverwinter Night. On est parti. Ma quick save, c'est laquelle la bonne sauvegarde? Ne vous fiez pas à la date. Ne vous fiez pas à la date, vous n'avez même pas vu la date. Oui, j'ai encore mis un laps de temps énorme avant d'y jouer, mais j'ai beaucoup de choses en ce moment. J'ai beaucoup trop de séries en cours. Mais là, je prends le temps. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte... Voilà. Je vais faire en sorte de finir au moins cette partie. La deuxième partie du premier chapitre. Alors, attendez. Faut que je dépose des trucs. Faudrait que je vende des choses. Ouais, faudrait vraiment que je baisse. Ah, j'aurais dû commencer là-dessus. Ah, c'est la base. C'est la base, mais on y va. On est faux. La dernière fois, nous sommes au domaine des adorateurs de je sais pas qui. Et c'est parti pour le combat. Et je marche. Je marche. Alors, 1, 2, 3, 4. Bonsoir. Vous êtes mort. Vous êtes beaucoup à m'attaquer. Il y a eu un petit... Oula. C'est Strat Duff, la Strat du lâche, Voilà. C'était la stratégie du lâche, hein. Donc, sortir de la zone et re-rentrer. C'est une technique de faible, je le reconnais. Mais on aime ça, sinon après c'était la base. Ah, ça aurait été la base totale. La petite quick save, on y va en mode... Ah merde, j'ai créé une potion, tant pis. C'est pas grave. Et on va attaquer lui. Une surnoiserie, tu peux pas test. Fufu. Si tu veux, donc tu vas crever. Tiens, prends 3 de dégâts. J'ai pas la map. Voilà, qui est mieux. Oh, un drop. Voilà, prends 10 de damage. Prends 2 de damage. Combat. Faut intéressant. Regardez bien ce personnage. Oh, on peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Ah bah, elle est morte. 40 points d'XP, ça va. Et une potion, ça va, c'est tranquille. J'aime. Donc, est-ce que je vois, il n'y a qu'une porte, une commode. Je veux la commode. Des carreaux de la soie, je les vendrai. Quand j'aurai fini tout le problème qui réside dans les quartiers des mendiants. On va se reposer. La petite save. Sinon ça va. On sera tranquille. Bientôt les vacances. Peut-être les vacances lorsque je mettrai ces épisodes. La furtivité. À son paroxysme. Une dada. Y'a un magicien, c'est la base. Tiens, prendre... Ouah, 9 contre 6, et ben, donc tu vas crever. Voilà. Le fanatique. Boum, critique, 17 attaques sournoises. C'est la logique du jeu. Je veux me reposer. Les ennemis sont proches. Ah, il y a des étrangers, la cantation est souillée, la magie était profanée. Oh, je t'emmerde. Derrière cette porte. Ah, mais il y a deux portes. Ah, bonjour, messieurs, dames. Je ne voulais pas venir, mais je vais devoir faire la strat du lâche. J'aimerais de vous déranger, hein. Je ne fais que passer. Ne vous en faites pas, hein, c'est normal. C'est la strat du lâche. Ah, vous êtes encore là. Ça a posé problème.
L'astral du lâche ne marche pas. Je vais devoir claquer une potion, messieurs dames. Donc, vous me laissez juste le temps de la boire. Voilà. Voilà, et vous mourrez. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je suis désolé, messieurs dames. Non, vous êtes chiant. Ah, c'est chiant. Ah, je tiens à vous le dire. Vous êtes chiant, votre recommandation, c'est n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi, d'ailleurs. Hop là. On se repose. Ah, mais du coup, oula, mais je suis arrivé où il fallait pas. Ah, mais j'ai pris tellement de risques. Je prends beaucoup de risques. C'est la base. C'est la base totale quand je fais ça. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Diablotin. Vous m'avez vu. Ah, c'est un problème. C'est n'importe quoi. Regardons ce magnifique diablotin. Diablotin que je dirais magnifiquement. Oh là, non, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai envie de dire, c'est nul. Un renversement qui rate. Ah, c'est encore plus nul. C'est encore plus nul. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, bon, mais c'est bon, j'arrête avec les renversements. Un combat rapide, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, 9, tu pouvais pas les mettre avant les 9. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Bon, si je vais calculer, il en reste 2. Normalement. Donc hop, la discrétion, et aussi la salle là, mais je vais la voir après. Alors, voilà, vous êtes là, là il sera donc un portail, une morgue, un truc d'incantation. Bref, c'est mauvais, c'est méchant, c'est bad, c'est le mal. Bonjour messieurs dames, vous avez esquivé, ah. Donc c'est la base. Vous avez esquivé, c'est donc foncièrement ce que je ne voulais pas. Voilà, vous êtes morte, 19, donc du coup, vous ne servez pas à grand chose. Gain d'XP inutile, j'ai envie de dire. Regardez bien ce nain, cette naine, je dirais même, enjugée par sa coupe de cheveux. Ah, il dit des dommages. Allez, vas-y, tu meurs. Prochain, tu meurs. Voilà, tu es mort. Non, mais tu es morte. Tu ne reviens pas à la vie. Donc c'était un magnifique portail d'incantation. Et je vais ouvrir ce meuble. Qui contient un collier. Oh, c'est de la daube. C'est de la daube. Il reste deux salles. Techniquement, il reste deux salles. Et il y a un drop que je n'avais pas vu. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est une... Oh, en plus, c'est une porte piégée. Donc le piège, on va le désamorcer. D'autant plus que je sais qu'il y a un ennemi. Voilà, on va s'asseoir devant la porte. Full discrétion. On sauvegarde. On est en furtivité. Et on va rentrer et ça va être le massacre. Ah, ça va être le massacre. Ah, ça va être le massacre. Ah, tu es de dos. Ah, tu es de dos, ça va être la base pour toi. Voilà, pour ta copine déjà c'était la base. Et pour toi ça va l'être encore plus. Ça va être la mort qui va t'attendre. La mort te tend les bras. Accepte-la. Fais quelque chose de ta vie. Ouais, mais c'est qui me met cher. Mais c'est que je suis dans le mur. Je suis dans le mur. Le combat l'a voulu ainsi. Et si je me démerde bien, je vais clipper dans le mur. Voilà, attention, je suis venu en arrière dans le mur. C'était beau.
J'espère que vous avez apprécié. Un bureau verrouillé. Des informations. Un crâne de gargouille. Oui. Ah c'est magnifique. Ah j'aime ça. Ah j'aime ça. Oh c'est vintage. Oh ça aurait sa place dans n'importe quelle maison de bon goût. J'ai bien dit bon goût, évidemment. Ah c'est classe. Ah ça donne envie. Crâne de gargouille. Oula. Gargouille, oui, je vais dire gregouille. Ça allait être encore mieux. Je pouvais dire n'importe quel mot, j'aurais passé pour un con. Juste en bafouillant, je passe pour un con. Et là, discrétion. Dans une salle avec au moins le chef du culte du SLPAR. C'est donc parti pour un. C'est le combat du boss. Ok, donc tu m'as vu, j'en conclue que tu m'as vu. Le critique à 17. Oh oula, attaque réduite de dégâts. Ah ouais, c'est de la merde. Ah ouais, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. Ah c'est de la merde. Ah c'est de la grosse dos parce que ce que je me prends. Hein. Oh là, il m'a mis 5. Il m'a mis 5. Ok, je suis encore plus dans la merde. Je l'ai mis 7, ok, ça va encore. Il est sérieusement blessé. Je peux le battre sans utiliser le truc de. Ok, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde là, il se soigne. C'est de la grosse merde là. J'ai de sauvegarde, what? Je n'ai pas compris. Non, mais attaque sur moi, ça passe pas, il a une masse d'armes. Non mais regardez, cette IA elle est complètement buggée, j'arrive même pas à la blesser. Ok, on sauvegarde. On sauvegarde, hop, on profite d'une attaque sur la skin, ne passe pas. Et d'un 4 merdique. Ok, là il bouge pas, l'IA elle est buggée. L'attaque sur la skin ne passe pas. La deuxième qui ne passe pas. Ah, une troisième qui devait peut-être passer. Ah, c'est n'importe quoi. Allez, là il y en a, ça passe. Ouais, ça passe. Ah, il se soigne, ah c'est la base. Ok, il est juste blessé, on sauvegarde. C'est la base là. Ah, c'est la grosse dôme. Ah, c'est un combat de boss qui ne sort. Oh voilà, le petit 10. Voilà. Ok, là il est sérieusement blessé. Ça va passer. Ah, là il se re-soigne. Ah non, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Si deux attaques sur moi se passent par contre. Non, c'est la base. Ah, c'est la grosse dôme. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, madame la juge, c'est n'importe quoi. Il fait un recovery et ensuite il attaque. Ah, c'est n'importe quoi. Oula, là ça va trop vite la caméra. Ouais, il me met deux, ok. Donc ça veut dire que c'est soit mort, soit je gagne. Allez, vas-y. Ah, la première elle passe pas. Ok, là on la joue sérieuse. Je suis presque dans le meuble. Je vais reculer là. Allez, là il bouge pas, une attaque sur moi qui passe. Elle passe pas. La deuxième qui passe pas. Ah, il m'a mis un 9. Ok. Ok, donc là c'est la base. Ah, c'est la grosse dôme. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, attention. Oh, attention, au premier de l'eau qui rêve en premier. Ah, attention, ça va être marrant. Oh, ça va être marrant. Oh, je sens que ça va être incroyable. Oh, c'est la bise. Oh, c'est la base. C'est la base incroyable. On va devoir changer une partie. C'est la grosse daube. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, je prends une surprise. Allez, un petit 15. Allez, il agonise. Allez, sauvegarde. Allez, je suis un fou. On est des fous. On est incroyable. On est comme ça et on a gagné 209 points d'XP. Le drop de l'amour. Un gantelet que je vais examiner. Ça sert à rien. Ok, ça ne sert à rien. C'est la base. C'est encore plus la base. 200 points d'XP.
Ça va, c'est acceptable, on va juste remettre la map. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un escalier vers le bas. Très bien. Je vais d'abord visiter son étagère et faire une pause lecture au service de oh puis merde. De QM. Alors attention. Alors on va jouer Slayer. L'extrait. Voilà. Et ma mission a été mise à jour. La mission mise à jour. Une étrange secte. Secte. Une union entière du nom des Guyanes. Oh puis merde. Gulan. Oh, je sais pas comment il se dit. Tant pis. De Gulnan. Voilà. Gulnan. Ça ira mieux. Un pack et un sort. C'est génial. Si, maintenant je sais pourquoi je voulais vendre la grosse baguette qui me prend moins 4 cases de long. C'était pour un sac. Un sac complètement craqué. Ah, c'est le sac craqué de l'amour. Une dague. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la daube. Ah, non, c'est de la merde. Bon. Se soigner avant de descendre les profondeurs. On fait la save et tous les malus se sont dissipés. Je me suis pas mis en furtivité. Furtivité et... Ah d'accord. Ah c'est ça. Ah ok. Ok. Alors là je comprends mieux. Furtivité contre le mur. Ils sont combien? 1, 2, 3, peut-être un quatrième. Ah non, c'est la base. Ah, il y a un scarabée. Il y a plein de scarabées. Ok. Donc dans ce cas, moi ce que je propose c'est j'y vais à la zub. Ou alors je neutralise les scarabées en passant merde, je crois qu'il m'a vu. Il y en a un qui m'a vu? Non. Ok, donc on y va. On y va. Allez, on y va. Que le sol vous engloutisse. Voilà, comme il dirait. Enfin, tout pareil. Allez, c'est la base. Ça commence, c'est la base. C'est la base. Oh là, trop d'ennemis. Je prends extrêmement cher de ma gueule. Et ça a sans doute dû ramer. Ah là, c'est la mort. Ah, c'était mort depuis le début. C'est la base. C'est n'importe quoi. Ok, dans ce cas, plan B. Plan B de la moelleté. Plan B qui va faire plaisir à tout le monde. La discrétion. La discrétion optique optimisée. La discrétion buggée. Alors attention. On négocie le chemin. On est complètement dedans. Et on attaque du scarabée là. Ah, je me suis fait repérer par tout le monde. Ah là, c'est n'importe quoi. Ah, ça va être la mort. Ah, c'est la mort. Ah non, je ne peux pas continuer. Ah, je peux pas continuer, c'est la base. C'est n'importe quoi, je me suis fait voir. Donc là, on retente. Ok, tout va mal. Ok, c'est la base. C'est la base la plus totale. J'ai marché dans un piège d'acide. C'est encore plus la base. J'essaye au moins d'en avoir une. Voilà. Un autre escarabée. L'escarabée dissident. Ok, là par contre c'est la fuite. Ah là c'est la fuite. C'est la fuite. Fuite qui rate. Fuite du Nawak. Fuite de la merde. C'est la merde. Ah si je fais un die and retry à chaque fois par contre ça va pas le faire. Ah c'est n'importe quoi. Ah c'est la mort qui m'attend. Alors attention on y va. On prie pour que la RNG ne soit pas un sac. Ok. Le jeu me fait reculer. On y va tranquille. Ok ça passe. Ok maintenant je me suis fait repérer par un scarabée de feu. Mais juste par un scarabée de feu. Ok. Ok. Ok donc c'est la base. Que le sol vous
Hop, un scarabée. Faut buter les scarabées. Non, faut buter les personnages qui sont blessés. Là, attention, le personnage fait n'importe quoi. Là, le personnage est complètement stuck par tout le monde. Il est bloc. Il est incroyable. Oh, attention, est-ce que je vais réussir à me casser? Je réussis à me casser. Parfait. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, attention, on va essayer de remonter. Hop, on remonte. Et si je bug, je vais peut-être en amener un avec moi. J'en amène un. Incroyable. C'est parfait. J'en ai même amené deux. Encore mieux. Voilà. Problème réglé. Trop de skill. Hashtag. Hashtag. Fuite de lâche. Technique de merde. Combien d'XP au fait? 19. Ok, c'est nul. Ah, c'est assez nul. Ah, ça va encore. Il manque un peu moins de 3000. Ça va le faire. Ça gère, la fougère. Je sens clip. Allez, allez, c'est parti, c'est la base. Je me fais prendre par tout le monde. Ok, je prends les dégâts incroyablement surélevés par rapport à ce que je suis en train de voir. Ah, je prie. Ah, je prie tellement fort là, je serre les fesses. Je suis en train de me prendre des dégâts. Vraiment beaucoup. Un 5 en critique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, je mets 5 en normal en plus. C'est agaçant. Et là, combien? 2, 1, super. En plus, il est mort. Ah, c'est. Oula, c'est génial. Attention, on va la refaire. Voilà, je suis dans la texture du personnage. Ah, c'est dégueulasse. Assez moche. C'est dégueulasse, c'est moche. Ok, je suis sérieusement blessé. Mais je me repose, car le repos est essentiel. La concentration, ne l'oublions pas. Le mind game du jeu. Le cri que vous venez d'entendre. Oula. Je sais pas si vous m'avez bien écouté, mais je crois que j'ai parlé alors que j'avais mal articulé. Ouais, donc le piège, on va le désamorcer. On va aller dans la salle juste là. On est parti, on est chaud. On est steak et shake. Et on va affronter un fanatique. Pour le moment, je n'en vois pas l'autre. Oh, je déclenche un piège qui me stun. Ok, tout va bien. Ok, tout va bien. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre, tout va bien. Je suis complètement stuck. Ok, je suis toujours invisible. Il y a un levier. Ok. Ok, ok, ça se joue. Super. Elle va mourir. Hein, nous sommes d'accord. On la voit, elle est de dos. Elle est de dos, elle prépare un sort, elle est morte. C'est la base. On active le levier. Une porte qui est dans le lointain. Vous avez pas oublié un mot. Ouh, les cadavres. Oh, les cadavres. Une flèche, je dirais. Vampirique. Exactement. Que je vais m'empresser de vendre. Dès que possible. Ah, j'ai pris 22 dans les dents. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait extrêmement mal. Bon, là, normalement, c'est safe. Il y a personne. Il y avait un scarabée là. Que quelqu'un m'explique comment il est apparu. Parce que j'avais tout fait. C'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi, madame la juge. Ah, c'est n'importe quoi. On se met devant la porte. Normalement, là aussi, j'ai tué tous les zombies qui traînaient dans le cimetière. Le grand cimetière. Avant d'accéder à la porte du dédale des damnés, des damnés, ce damné dédale, je me mets devant la porte, je me repose, après nous irons voir à l'intérieur, comprendre d'où règne le mal. Ah, il y a une porte. Wait,
Il y a une porte. Ah oui, c'est une porte. Est-ce que je peux la déverrouiller? La dé... Wesh, d'accord. Bon, j'annule les actions. Ok, c'est la porte là. Vous voyez, c'est une petite chapelle. Je parie qu'il va y avoir un plus grand couloir. On est parti. On est parti.